RMC, l'immanquable grande gueule. Moi, ce que je ne comprends pas avec ces enseignants grévistes, c'est qu'ils retiennent les copies. T'es gréviste, t'as pas envie de corriger. Ok, tu te mets en grève, mais donne les copies, il y a quelqu'un d'autre qui va les corriger. Pourquoi est-ce que tu les retiens? C'est à toi, c'est, je sais pas, c'est ton bébé, non? Enfin, donc là, c'est là où je vous trouve. C'est un moyen de pression, chantage. Ouais, mais à ce moment-là, quand t'es gréviste, tu ne viens pas travailler, d'accord? Tu viens pas prendre l'école en otage. Tu ne viens pas devant les grilles du lycée, tu dis, ah, personne ne rentre. Non. Et ben là, c'est un peu ce qu'ils font. Eh ben, tu arrêtes de travailler, tu dis, moi, je ne corrige pas les copies. Mmh. Et plus il y a d'enseignants qui ne corrigent pas les copies, et plus, de toute façon, le résultat sera différé. Donc, s'il y avait tant d'enseignants que ça, ils n'auraient pas besoin de retenir les copies. Ils remettent les copies et ils sont en grève. Et en même temps, on parle d'eux. Donc c'est plutôt réussi. Bah c'est plutôt réussi, il a très bien raison. Non mais c'est gréviste. C'est gréviste, on parle d'eux. Non mais pas en bien. Si ça fait une semaine, on parle d'eux. Mais oui, mais écoute, pas en bien. Est-ce qu'il va plier? Il va pas plier. Mais bien sûr, il va faire ce qu'il a fait. Le seul truc que je ne comprends pas dans son explication, c'est de dire que si les copies sont remises à temps finalement, si la note est meilleure, on prendra les copies. Mais si la note est inférieure, on garde la note du contrôle continu. Bah non, c'est plus le bac alors. Je suis maman, ma fille, elle passe le bac, comme ça, elle a travaillé toute l'année. Elle attend le bac. Moi, je porte plainte. Hein. Moi, je suis désolée, tu n'as pas à retenir la copie de ma fille. C'est le travail de mon enfant. Tu vas pas le retenir chez toi, dans ta petite maison, dans ton salon, parce que t'es pas content d'une réforme. Moi, je suis maman. Je te dis, je porte plainte contre ses professeurs. Je ne le laisse pas faire comme ça. Je suis désolée. 1, 2, 3, 4. L'immanquable grande gueule.